Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soirkoolo, Mike, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouveauté sur le quartier maître de Call of Duty Infinite Warfare. Donc en mode multi, en mode zombie, il n'y a rien du tout, j'ai été voir. Alors en mode multi, vous allez dans le quartier maître et là vous avez un nouveau pack mitraillette hyper EXP. Donc ce pack vous donne 5 ravitaillements, voilà là je vais y arriver, 5 ravitaillements rares et un piratage de mitraillette type Mark 2, MK2. Donc, faut savoir que un ravitaillement rare coûte 30 clés, donc ça fait 5 x 30, ça fait 150 clés. Donc, on paye 165 clés, mais on est remboursé en ravitaillement rare de 150 clés. Donc, au final, vous allez payer votre mitraillette MK2 15 clés. Voilà, donc, vous allez payer 15 clés. Donc, il faut vérifier ici. Donc parce que moi j'ai toutes les mitraillettes, donc il n'y a pas d'avantage pour moi que j'achète ce pack. Par contre je vais quand même l'acheter pour vous montrer et voir si ils peuvent, peut-être qu'ils vont me donner une autre arme MK2 à la place. Ce serait cool. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de limite d'achat, donc vous pouvez les acheter autant de fois que vous voulez jusqu'à lundi. Voilà, lundi 18h je pense que c'est ça. Donc voilà. Alors je vais en acheter un. Donc là, ils m'ont bien rendu 5 ravitaillements rares. Regardez, je suis à 169, je vais en racheter encore un. Hop, maintenant je suis à 174. Et les trucs de collection, bah, je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, voilà, c'est ça. Piratage mitraillette MK2. Donc voilà, garantie une mitraillette Mark 2. Donc je vais l'ouvrir, mais normalement, ça va me donner un doublon. Parce que comme je les ai toutes. Ah, quoique, il m'a donné la RPR Evo. Par contre, la RPR Evo, c'est pas une mitraillette. Non, ah si, c'est une mitraillette, ouais. C'est une mitraillette. Donc voilà, je vais pas en ouvrir un deuxième, parce qu'il va me donner encore des doublons, parce que voilà, comme j'ai toutes les mitraillettes, donc ça sert à rien. Par contre, je vais quand même en acheter, parce que quand ils sortent une nouvelle arme, par exemple, à Gérail, il y a 1, 2, 3, 4 variantes. Donc souvent ils en sortent 2, donc s'ils sortent 2 mitraillettes, ça me fera 8 variantes. Donc pour avoir les 8 variantes, il m'en faudra 8. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter 10, comme ça je suis sûr. Donc j'en ai déjà acheté, là il m'en reste 1, donc je vais m'en racheter 9. Donc voilà, comme ça, dès qu'ils sortent une nouvelle mitraillette, bah, j'aurai toutes les variantes grâce à cette petite, ce petit opening là. Là je suis à combien? Je suis à 6, donc grâce à ça j'aurai toutes les variantes, donc ça c'est cool. J'en achète encore 4. Ok, voilà, là j'en ai 4. Donc là voilà, c'est bon, j'en ai 10, donc ça m'a coûté un peu cher, mais de toute façon je suis remboursé en ravitaillement rare, donc ça c'est vraiment cool. Comme ça ben je perds pas vraiment les clés et voilà. Donc 4, 8, 12, mais allez, je vais en acheter encore 2 au cas où. Ouais, j'ai l'achat impulsif, à me dire. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace.